Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV de TV Magazine. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau un comédien devant lequel on va peut-être ressentir une légère pointe d'angoisse avant de poser des questions piquantes. Alors, cette petite appréhension n'est pas du tout liée au fait que cet invité est ceinture noire de karaté ou à ses 70 kilos de muscles qui, on va le dire, ne nous impressionne mais alors pas du tout. Voilà, simplement quand on voit l'étendue de sa carrière et les audiences qu'il a enregistrées dans ses fictions, comme Profilage par exemple, on ne peut que s'incliner. Et cet après-midi, il vient nous parler d'un téléfilm dont la première partie a atteint des sommets d'audience. Bonjour Philippe Basse. Bonjour Damien, bonjour Sarah. Bienvenue bonjour. Sur le plateau du Buzz TV. Le Sentier des Loups, c'est le titre du téléfilm que TF1 dégaine ce lundi 7 novembre en première partie de soirée. C'est la suite du Saut du Diable que la chaîne avait diffusé en juin dernier. Et vous y interprétez Paul Villard, c'est un ancien commandant de l'armée. Déjà, avant de parler de l'intrigue, est-ce qu'il faut avoir vu le premier volet pour comprendre le deuxième ou bien on peut vraiment comprendre ce qui se passe dans ce téléfilm sans avoir vu ce qui s'est passé avant? Je pense qu'on peut tout à fait comprendre le deuxième sans avoir vu le premier, mais c'est pas mal d'avoir vu le premier parce qu'on peut suivre l'intrigue, si tu veux, l'intrigue intérieure des personnages qui ont parfois des conflits. C'est comme ça qu'on raconte une histoire, un conflit intérieur dans un personnage, une sorte de névrose, quelque chose. Et là, particulièrement dans cet opus 2, le récit est important parce que le passé du personnage Paul Villard va ressurgir de manière beaucoup plus concrète que dans le premier. Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, le 17 juin dernier, TF1 a diffusé le premier volet, le Saut du Diable. L'audience a été colossale, 6 millions de téléspectateurs, plus de 30% de part d'audience. Est-ce que ce sont ces deux chiffres qui ont, si j'ose dire, provoqué cette suite ou bien c'était déjà prévu avant? Alors, on espérait que ça marche de façon à pouvoir peut-être transformer ce téléfilm en collection. Mais c'était davantage pendant le processus et à la diffusion, à l'issue de la diffusion, qu'on en a eu la certitude. On n'a pas prévu, quand on a fait le premier, de faire tout de suite une suite. On s'est dit, si jamais ça marche, pourquoi pas? Et surtout, il faut rendre grâce à TF1 qui a eu cette audace d'oser programmer quelque chose de cet ordre, du divertissement, avec un peu d'aventure, un peu d'action. À ceci près, Damien, que dans ton introduction, tu as parlé de 70 kilos, et j'en suis à 82. Oh là là, alors justement, on va en parler de ça, parce qu'il y a eu la prise de muscle pour cette télévision. Malheureusement, on le voit d'entrée de jeu. Très vite. Malheureusement, pas que du muscle. Arrêtez parce que. Bon, je peux pas vous montrer, mais. Vous mentez, Philippe. Mais pardon, vous mentez, on vous a vu tout à l'heure, parce que vous êtes chargé. J'aimerais bien. Sincèrement, j'aimerais bien être gaulé comme vous. Alors, on va poursuivre cet entretien dans quelques instants sur Figaro Live. On va bien sûr parler du Sentier des Loups et de tous vos projets. Mais tout d'abord, on retrouve Sarah Lecoeuvre pour les news médias. Est-ce que c'est de la basse, Philippe Basse, cet instrument de musique? Il n'y en aura pas d'autres comme ça. Celle-là, elle est faite, ça y est, c'était écrit. Elle est pas si mal. Elle me dérange pas. On commence les infomédias avec bien les programmes qui vont remplacer Plus belle la vie. Eh bien oui, parce que vous le savez, le feuilleton de France 3 s'arrêtera définitivement le 18 novembre prochain. Alors, qu'a prévu de diffuser France 3 à la place chaque jour à 20h35? Eh bien, alors, ce ne sera pas de série, on vous prévient tout de suite. Mais pour commencer, ça va être des rediffusions de Cuisine Ouverte, l'émission de Maurice Sacco, vous savez, ce chef étoilé qui a été révélé dans Top Chef. Et à partir de janvier 2023, eh bien, place à une émission quotidienne dédiée aux Jeux Olympiques 2024, le tout présenté par la journaliste Carole Gessler, déjà à la tête des Racines et des Ailes. Plus belle la vie, c'est un peu une page de l'histoire télévisuelle qui se tourne. Est-ce que ça vous attriste? Vous regardiez Plus belle la vie? Je regardais pas Plus belle la vie. J'ai des copains qui jouaient dedans. Je regardais pas, mais j'ai une amie qui regardait. Et surtout, je pense au public. Et c'est vrai que, c'était quand même un programme qui continuait à avoir un certain succès malgré l'apparition d'une concurrence notable. Si grand soleil demain nous appartient. Exactement. Ouais. Mais quand même, c'était pas mal. Je trouvais que c'était un programme. En plus, à chaque fois, il y avait de la qualité parce qu'ils ont commencé à faire des primes depuis un certain nombre d'années. Ouais. Je sais pas. Après, c'est la politique de la fiction. Il faut respecter le choix des diffuseurs. Mais ça aurait pu continuer, à mon sens. C'est un feuilleton qui vraiment s'est installé sur culte. France 3. Ouais, ouais. Culte pendant plus de 15 ans. Vous pourriez, vous, encore tenir un rôle pendant autant d'années à la télévision? C'est quelque chose qui vous plairait? 15 ans, je sais pas. Mais comme j'avais fait sur Profilage, j'avais fait 8 saisons sur 10. Et ça ne m'avait pas déplu. Profilage est vraiment un programme qui m'a ouvert des perspectives énormes, qui m'a permis d'avoir un contact différent avec le public et donc des propos
propositions de chaîne que j'avais jamais eues. Donc, c'est formidable. C'est pas le genre de choses qu'on peut laisser passer quand on le sait pas au moment où on accepte ça. Mais je peux vous dire qu'après, on se dit, bah chouette, si on doit peut-être renouveler l'expérience, pourquoi pas, bien sûr. Et elle vous manque, cette série, Profilage ? Non, elle me manque pas parce que il s'est passé ce qui s'est passé, ça s'est arrêté. Je pense, comme pour Plus belle la vie, je pense d'abord au public s'il avait envie de continuer à regarder ce programme. Malheureusement, la production, la chaîne, il y a une espèce de temps de latence, un peu une sorte d'inertie à la suite de l'arrêt des choses avec le Covid. Et puis, ça n'a pas repris. Donc, ça m'a attristé, mais comme je vous l'ai dit il y a un instant, en fait, je n'ai que de la gratitude par rapport à ce programme et par rapport à la chaîne. Avec tout ce que ça m'a apporté. Donc, je me suis dit, bon, ma foi, on a terminé sur un commissariat qui brûlait, le départ de notre ami Jean-Michel Martial, qui est décédé. Je me suis dit, bon, après tout, peut-être on ne pouvait pas finir autrement. Et puis voilà, donc je l'accepte avec philosophie et je ne peux pas avoir une once d'amertume quand je pense à ce programme. Ouais. Allez, on poursuit ces infos avec le coup de gueule de Laurent Ruquier sur Instagram. Oui, c'était hier soir. Eh bien, en fait, l'animateur, ce week-end, a passé le week-end de la Toussaint à Londres. À Londres. Avec ses compagnons. Ah, vous avez suivi oui, aussi ses aventures. C'était vous, Insta. Non, j'ai vu l'Insta, c'est et pas oui. moi le paparazzi. Mais j'ai vu la photo tout à l'heure. Il faut pas vous balader avec un appareil photo derrière Laurent Ruquier. Moi, je fais des très, très mauvaises photos, moi. Du coup, ça aurait pas été bon. Donc, pour tout vous expliquer, en fait, il a passé le week-end de la Toussaint à Londres avec son compagnon Hugo Manos, qui est chroniqueur chez Cyril Hanouna notamment. Et hier soir, eh bien, au terme du séjour, eh bien, l'animateur a décidé de poster une photo de lui et de son amoureux avec une légende sans équivoque à l'égard d'un photographe. Week-end à Londres terminé, écrit-il. Au cas où le paparazzi qui nous suivait n'aurait pas eu la photo désirée, autant offrir une belle photo à ceux qui me follow. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Oui. Alors vous, c'est vrai que Philippe Bas, vous êtes aujourd'hui très discret sur votre vie privée. On ne va pas du tout vous poser de questions là-dessus, mais c'est vrai qu'à un temps, vous avez formé un couple voilà, emblématique, si j'ose dire, avec Laurie. Ouais. Est-ce qu'on en souffre quand on est comédien, quand on est un visage public, d'être à ce point médiatisé et de mettre sous le feu des projecteurs une partie de sa vie privée alors qu'on n'en a pas forcément l'envie, quoi ? Dans mon cas, c'était quand même très raisonnable. Ma compagne de l'époque, elle était quand même habituée à ce genre de choses et ça a été beaucoup plus compliqué à gérer parce qu'elle était plus jeune, elle avait un succès énorme. Ouais. Elle a toujours, c'est quelqu'un d'extrêmement populaire. Vous étiez en une des magazines People, hein, ouais, c'est arrivé une ou deux fois, mais bon, c'était presque, enfin pour moi... Ça ne vous a pas dérangé sur le coup ? Bon, c'était pas très dérangeant. J'en ai pas vraiment pas souffert. C'est pas comme si je pouvais pas faire mes courses. Moi, je suis pas chanteur, je suis pas footballeur. On n'a pas la même. C'est pas le même type de popularité. Donc, voilà, ça a été. Puis ça a été très pouf, comme ça. Donc, la relation a duré un peu. Ouais. Mais je veux dire, c'est arrivé qu'une fois ou deux. Donc, moi, j'en ai pas souffert. Ça va. Allez, on termine ces infos avec le chiffre du jour, le chiffre 4. Et oui, comme le nombre de nommés à la Star Academy cette semaine, ils ont été annoncés hier soir par le directeur Michael Goldman. Alors, c'est deux duos cette semaine, puisque les évaluations se faisaient en paire. Donc, les fans du programme auront le choix entre, d'un côté, Paola et Carla, et de l'autre, c'est les meilleurs amis de l'aventure, Léa et Tiana. Toutes ces jeunes femmes n'ont pas convaincu lors de leur examen. Et comme les destins sont liés cette semaine, deux femmes, deux candidates partiront et deux resteront bien sûr dans l'aventure. Carla, Paola, Léa, Tiana, il faut absolument avoir un nom qui se termine en A. Oui, c'était la règle cette semaine. Ils sont faits à Paris. On ne pourra pas y aller, nous. c'est mort. Moi, c'est Sarah, bon. Vous, t'as une chance. T'as une chance. Philippe, vous auriez aimé vous participer à une aventure comme Star Academy, peut-être en tant que prof de comédie, par exemple ? Ah, je sais pas, même si la pédagogie, ça me plaît beaucoup, parce que transmettre, c'est quand même formidable. Déjà, ça permet de comprendre que ce qu'on peut transmettre, en général, on l'a bien intégré. Donc, c'est toujours une chance. Quand on transmet quelque chose, ça veut dire qu'on a pigé. Ouais. Donc, il ne faut jamais s'en priver. Mais je ne pense pas que j'en ai la capacité. Mais dans l'absolu, oui, ça va être sympa. Pourquoi pas ? En tout cas, vous faites partie de TF1. Peut-être qu'on vous retrouvera dans des émissions de TF1 comme Masked Singer. C'est pas impossible, non ? Vous avez déjà été approché par d'autres émissions de TF1 ? Vous êtes un visage. C'est emblématique de cette chaîne. Une fois, on m'avait proposé Danse, et puis c'était. Ouais. Ça m'avait fait envie, puis c'était pas... ça allait être compliqué, c'est beaucoup de travail. Ouais. Et moi, je suis un peu feignant. Non. Ah si. Et donc, non, j'aurais pas eu la force. Mais mon pote, j'avais rencontré Augustine qui a gagné, et je me souviens, je lui ai dit... Singaliana. Bah, moi, je sais ce que c'est que de faire du sport tous les jours, de taper le parquet, tout ça, c'est exceptionnel. C'est très compliqué. Bon, en tout cas, là où vous faites du sport aussi, et vous en avez beaucoup fait, on espère que vous nous révélerez quelques coulisses à ce sujet, c'est dans Le Saut du Diable numéro 2. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. –
Aïe, aïe, très rythmé ce jingle, on adore, nous ici. TF1 diffuse à 21h10, donc la suite du Saut du Diable, hein, baptisé le Sentier des Loups, c'est donc lundi prochain sur TF1. Vous vous glissez dans la peau de Paul Villard, c'est un ancien commandant de l'armée qui reprend du service lorsqu'un colonel vient le voir et lui demande de prendre la tête d'une immersion en pleine nature en compagnie d'adolescents qui sont, on va dire, désireux de connaître un petit peu le milieu militaire. Comment ce bivouac va-t-il se passer, Philippe Basse? Ben, au début, ça se passe plutôt bien, parce que c'est une immersion en pleine nature, c'est une sorte de randonnée, un peu stage découverte. Et c'était un peu le prétexte qu'on avait trouvé avec les auteurs, avec Julien Séry, le réalisateur, pour amener quelque chose de frais, trouver un contexte dans lequel celle qui interprète le rôle de ma fille, Maïra Schmitt, Sarah, puisse aussi s'intégrer avec d'autres ados, jeunes adultes, qui puissent être... Bon, c'était sympa de montrer ça à l'écran. Et puis, naturellement, tout ça se passe très, très mal, puisqu'il y a une espèce de... Comme je vous le disais tout à l'heure, une apparition concrète du passé qui est totalement inattendue et impossible en réalité, parce que c'est, on pourrait parler de fantômes qui apparaissent, mais on ne sera pas dans le surnaturel malheureusement. Donc voilà, tout va, je ne sais pas trop ce que je peux dire ou pas dire, mais sans trop en dire, mais en tout cas, il va être obligé de sauver, pour sauver ce groupe, il va être obligé de commettre une espèce d'un acte illégal et dans un timing très, très serré pour pouvoir espérer les sauver. Justement, vous allez très loin, votre personnage va extrêmement loin. On ne va pas révéler effectivement les aventures précises auxquelles vous serez confronté. Mais pour sauver les otages, puisqu'il s'agit en réalité d'une prise d'otage, et ça. Votre fille qui fait partie de ce groupe, vous allez faire des choses absolument incroyables. Jusque où vous, Philippe Basse, vous seriez capable d'aller par amour, en tout cas pour sauver vos proches? Est-ce que vous pourriez aller aussi loin que votre personnage? J'en ai aucune idée, mais je pense qu'on peut tous aller très très loin par amour et pour sauver quelqu'un, ça c'est sûr. En tout cas, je pense qu'on peut aller au bout de soi-même. Ouais. Alors, quand on regarde les premières minutes de ce téléfilm, franchement, on a l'impression d'assister à une pub pour un parfum. ou tout de suite, alors il y a un sublime paysage. Du shampoing. Comment? Une pub pour du shampoing. Ah, du shampoing, comme vous. On est d'accord, moi je suis d'accord. Tahiti douche. Parfum, shampoing. Voilà, on vous voit exhiber fièrement vos tatouages, vos muscles saillants, faisant des pompes même, dans la nature. Non, très belle image. C'était quoi l'objectif de la séquence? Pourquoi démarrer sur ce plan? En fait, Julien Séry, qui est le réalisateur qui a donc réalisé ce deuxième opus, c'est un garçon avec qui j'ai fait 6-7 films. Ouais. On s'aime beaucoup, c'est un véritable cinéaste. Et on a cette passion pour le cinéma, lui encore plus. Il a vraiment un talent incroyable. Et il avait envie de raconter ce film avec une perspective de... le prisme d'un western moderne. Mmh. Et donc pour ça, on avait besoin de raconter à travers ces grands paysages à la fois la solitude et le retour... vers une sorte de société pour ce personnage, se servir par l'intermédiaire de ce personnage pour raconter le récit. Et si vous voulez, on avait besoin de raconter ces grands espaces, le fait qu'il vivait seul dans cette caravane, et qu'il avait quand même une hygiène correcte. Mm-hmm. Et donc, on a quand même été jusqu'au bout. Mais on voulait amener ce décor qui est quand même exceptionnel. Ah oui, on a tourné dans la région d'Aix-en-Provence, dans un rayon de 80 à 90 km, les Bouches-du-Rhône, le Var. Et c'était... très important pour nous de commencer. Après, c'est un ancien militaire, donc il garde sa mobilité, il essaie de faire un peu de sport. Et vous êtes entraîné comment alors pour cette fiction? Alors, moi, je fais pas mal de sport en général. Ouais. Pardonnez-moi, je t'ai coupé ça. Non, allez-y, continuez. Je fais pas mal de sport en général, et là, j'ai été obligé pour garder mon énergie quand même, parce qu'en fait, on avait beaucoup de jours de tournage pour un téléfilm normal. On avait 23 jours, ce qui est très important. Ouais. Mais pour un téléfilm comme ça, c'est peu. Ouais. Parce qu'en fait, pour le premier, on avait 26 jours, par exemple. Mais c'était normal, on tournait, on avait des caméras à flanc de falaise. C'était compliqué en termes logistiques. Là, nous avions que 23 jours, mais on avait 40 décors de plus et 25 personnages de plus. Ouais. 20, peut-être 23. Donc en fait, logistiquement, c'était encore plus compliqué. Donc on a été obligé d'être un peu speed. Et pour faire ça, parce que moi, j'étais investi dans l'ensemble de cette œuvre, parce que je suis coproducteur. Oui, vous êtes coproducteur aussi. Alors, c'est une manière artistique de s'investir, parce que c'est pas un métier que je connais, sinon on serait ruiné. Heureusement d'ailleurs. Et donc, de cette manière-là, je me suis préparé en essayant de garder plus d'énergie possible. Donc j'ai fait pas mal de footing le matin. Ouais. Après, je faisais ce que j'avais à faire avant le film, hein, bien sûr. Donc je commençais à préparer les choses, faire mes rendez-vous. Et le soir, je faisais un peu de musculation fonctionnelle. J'essayais de faire des mouvements polyarticulaires de base, des choses très simples, mais qui permettent d'avoir suffisamment de force. Comment dirais-je, c'est pas du bodybuilding, c'est plus de la force fonctionnelle, un peu comme les gens quand ils font du crossfit. Ça permet de exactement, voilà. Musculaire. Ouais, et il paraît que vous vous êtes blessé. Oui, alors oui, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous, parce qu'on veut tout savoir. Bah oui. J'ai voulu faire mon intéressant, et puis dès le premier jour, et ben voilà, je me suis fait un petit peu mal à la cheville, donc ça a été, j'ai eu le temps de réparer pendant. En courant, lors d'un footing? Non, en sautant.
Non, les footings, c'était avant, c'était pour la préparation. Ah, d'accord, ok. Après, pendant le film, là, j'étais au taquet. Ah, donc c'est en sautant d'une... Exactement, en faisant des petites choses comme ça. Ouais. Bon, je vous le dis, c'est assez anecdotique. Mais ce qui était drôle, c'est que ça a commencé à aller mieux. Et là, je me suis fait mal à la cuisse. Encore ? Alors, ça allait moins bien. Et après, je me suis refait mal à la cheville. Donc, mais c'était drôle. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous ne maîtrisez pas la technique du saut ? Non. C'est une catastrophe. Donc, heureusement, il y a la magie de la caméra. Donc, les gens étaient très sympas. On ne verra rien à l'écran. Non, j'espère que non. Attendez, parce que là, vous nous parlez d'un petit footing sympa là, pour vous mettre en jambe. Mais quand on regarde le téléfilm, c'est vrai que c'est une véritable course contre la montre. On vous voit taper des sprints assez incroyables. Alors, c'est vrai qu'à l'écran, ça dure peut-être 20 secondes. Ouais. Seulement, on sait qu'en réalité, la prise va peut-être être faite 5, 6 fois. Est-ce que vous avez fini le tournage sur les rotules ? Parce qu'on se dit, c'est très sportif quand même comme tournage. Ouais, on l'a tous fini un peu fatigué, mais c'était très, très agréable. Parce qu'en fait, on tournait, il faisait très chaud. On tournait pendant presque une saison estivale, quoi. Et il y avait un enthousiasme parce qu'il y avait cette difficulté logistique dont je vous ai parlé. Ouais. Et tout le monde était réuni. Et Julien Seyrie, le réalisateur, a une énergie particulière. Elle est très forte. Vraiment, comment dire, il est sur le partage. Et il nous transmettait des bonnes ondes. Et je suis un peu, on s'aime bien, on est copains. Et je suis un peu comme lui. Donc on était à fond et il n'y avait pas grand-chose qui pouvait nous arrêter. Donc, du coup, tout le monde nous suivait. On a une équipe qui était très, très concentrée, très forte, qui avait envie d'être avec nous. Donc, c'était très agréable. Alors, il y a eu un moment très agréable et qui sera très agréable pour les téléspectateurs. C'est ce fameux moment dont Sarah parlait tout à l'heure, cette séquence qui ouvre le téléfilm. On vous voit sous la douche. Alors, je sais qu'il y a plein de téléspectateurs qui se posent la question. Est-ce qu'il prend une douche en maillot de bain ? Est-ce qu'il est habillé ? Non, vous êtes nu. Alors, vous êtes vraiment nu. On peut le dire. On vous voit. C'est très court. De haut en bas. Effectivement, comment vous avez vécu cette scène ? C'est facile pour un acteur de se dévoiler entièrement. De montrer son corps en... Comme vous, Damien, on fait beaucoup de sport, donc ça nous arrive d'aller dans les vestiaires. Après, quand si mais on c'est a pas le même contexte quand même. C'est vrai. C'est différent. C'est-à-dire que là, j'ai essayé entre guillemets. Oui, et puis on fait pas attention. On fait pas attention. Alors mais... que là, vous avez des cadreurs, vous avez des gens qui sont pas forcément. Là, il faut faire attention parce que si vous voulez, c'est pas toujours intéressant de montrer un sexe en réalité à l'écran. Ça, c'est vrai, c'est technique. C'est plus sympa de montrer quelque chose qu'on ne voit pas. Paradoxalement. C'est vrai. Donc il faut arriver. Tout à fait. Donc à l'instar d'un joli corps, d'un athlète ou même d'une femme ou de quelqu'un, peu importe, c'est intéressant d'aller essayer de cadrer, trouver quelque chose de joli dans le cadre. Et là, ça s'inscrit dans ce que voulait raconter Julien, c'est le côté western. Comme on voyait ces cow-boys des fois qui étaient là avec des sous-vêtements entiers, là, une pièce, c'était assez drôle, avec des chapeaux. On n'allait pas aller jusque-là. Mais c'était sympa de montrer que le mec se brosse les dents, qu'il fait son truc dehors. C'est un peu, moi j'avais comme inspiration Patrick Edlinger, qui vivait dans son bus Volkswagen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un documentaire à une émission, dans une émission qui s'appelait Les Carnets de l'Aventure. Ouais. À l'époque, c'était sur Antenne 2. Et Patrick Edlinger, c'était le précurseur de l'escalade à main nue, sans rien, sans protection. Mmh. C'était vraiment la liberté, sans corde, sans rien. Mmh. Et donc, il était là dans ce documentaire, on le voyait manger son yaourt le matin, tac, après il se baignait, et après il partait dans les gorges du Verdon, et il partait à l'assaut des falaises, comme ça, en libre. Et c'était vraiment un poète, c'est un homme extraordinaire qui est parti depuis. Et donc, moi, j'avais cette idée de voir ce mec sortir de sa caravane et d'être libre. Mmh. C'était très important de montrer ça par rapport à cette perspective. On a tourné ce film en scope, c'était avec un format vraiment de cinéma. D'accord, et si les gens font bien attention à ça, vous verrez le format qui est différent, qui permet vraiment des focales de cinéma. Mmh. Et on a une musique, on a eu la chance... Pardonnez-moi, je suis bavard, mais on a eu la chance d'avoir Sacha Paban, qui est un compositeur qui travaille aux États-Unis sur des films et même comme des Marvel, et qui nous a fait une musique avec un véritable orchestre symphonique, directement de Los Angeles, et on a pu avoir ça sur le film, vraiment par amitié. Ah, ouais. Donc, si les gens ont la chance de regarder ce film avec un bel écran, avec du son... Je pense qu'ils vont apprécier ce téléfilm. On a vraiment mis tout ce qu'on avait pour. Mais vous n'avez pas répondu à la question de Damien, qui est comment vivons les scènes de nu. Oui, pardonne-moi. Voire de sexe. Il y a pas mal. Sarah est là pour vous remettre sur le droit chemin. Il faut me recadrer là. C'est pas possible. Et ben en fait scène justement. Scène de nu et scène de sexe. Comment on vit quand on est comédien? On pose souvent la question à nos invités. Ouais, scène de sexe c'est différent. Il faut vraiment une complicité. Elle peut être Elle peut même être comment dire toute récente. Il suffit de bien s'entendre, d'être professionnel, d'être pote, quoi, de bien faire la part des choses. Mm-hmm.
Et après, il y a des fois, ça peut déraper, ça peut être déraper dans le bon sens. Il peut y avoir une émotion qui naît véritable. Oui. Ça peut arriver, c'est la vie. Comment on fait pour devenir acteur? Il a l'œil qui frise. Et puis après, les scènes de nu, souvent, les cadreurs ont donc cette envie de faire quelque chose de bien, qui correspond aussi à ce qu'on va faire par rapport à... Là, on est sur un téléfilm, une heure de grande écoute, donc on ne va pas montrer des choses qui ne sont pas intéressantes. Oui. Et puis moi, je garde une certaine pudeur aussi. Ouais. Donc voilà, mais là, ça ne nous semblait pas too much. Il y a un côté très cinéma aussi dans ce téléfilm. Mmh. Vous en parliez tout à l'heure, au-delà effectivement de l'aspect technique. C'est vrai que bien souvent, les thrillers sur le petit écran sont assez tranquilles. Quoi. C'est-à-dire que c'est souvent un enquêteur ou une enquêtrice bien confortablement installée dans son commissariat. Je caricature un peu la chose. Mais vous, ce n'est pas du tout ça. Vous courez, vous vous battez, vous faites des cascades. Ouais. Pour quelle raison la transpiration dans les films policiers, à la télévision, est si rare en fait? Parce que vous, c'est vrai que vous apportez quand même ce côté action qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi, ce que j'aime dans ces films, justement, dans ces polars, c'est quand il y a quand même une tension dramatique. Et cette tension dramatique, elle est créée par l'action. Même si l'action, entre guillemets, n'est pas forcément visible, tangible, comme quelqu'un qui court ou quelqu'un qui casse une porte. Mais il y a quand même cette tension et cette action. Et parfois, les histoires sont tellement bien ficelées que... on va peut-être délaisser un peu plus, aussi par une économie de moyens, parce que ce n'est pas facile de faire des mouvements de caméra pour avoir une action bien filmée, qui soit sympa à regarder, qu'elle ne soit pas juste quelqu'un qui court pour rien. Il faut savoir le raconter, donc c'est un savoir-faire particulier. Donc je peux comprendre la frustration qu'on peut avoir, mais parce que parfois il manque juste de tension, et cette tension dramatique qu'on peut avoir. Moi, ce que j'aime, c'est quand je participe à un film d'aventure ou à un film d'action comme celui-ci, c'est que je garde cette tension. J'essaie qu'on garde tous cette tension dramatique et émotionnelle. On sait pourquoi le mec, il court, pourquoi il veut sauver quelqu'un. Et surtout, ce qu'il ressent en lui par rapport à sa fille, par rapport aux autres, par rapport à l'ambivalence de ses sentiments aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant à raconter. C'est ça qu'il faut absolument essayer de montrer. C'est vraiment le principe de faire un divertissement. Et c'est nous, c'est ce qu'on a voulu faire en tout cas. Juste avant de passer à notre dernière rubrique, est-ce qu'il y aura un troisième volet qui sera diffusé sur TF1 si jamais ce deuxième fonctionne? Oui, alors on est déjà on a déjà prévu de faire un 3 et un 4 l'année prochaine. Un 3 et un 4 l'année prochaine. Ouais. Ah oui, donc ça c'est sûr, c'est vraiment... signé, il y aura un tournage. Oui, c'est signé. Après, bon, si c'est une catastrophe lundi, tout est possible. Donc on dans passe la vie. Sur une collection en réalité. Voilà, c'est ce qu'on souhaite faire parce qu'on pourrait retrouver ce personnage dans des décors différents avec toujours cette promesse. Qu'on a fait au public, d'avoir des paysages, des grands espaces, et puis une aventure à la fois émotionnelle et physique, mais pour raconter quelque chose. Allez, on passe à notre dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire. Alors, pour le meilleur et pour le pire, c'est une série de questions qu'on va vous poser. Très bien. Sur votre carrière. Il y a eu du bon, du moins bon, sans doute. Oui, c'est l'heure du bilan, cher Philippe Basse. Et c'est pas fini. C'est pas fini, on vous le souhaite. Quel est le meilleur souvenir de votre carrière? Écoutez, sur cette année, j'ai eu deux souvenirs extraordinaires. Ce tournage, je me suis jamais senti aussi bien sur un tournage que celui que j'ai fait pour le Saut du Diable 2. C'est la vérité. Ah ouais. J'avais rarement eu autant de responsabilités. Et avec Julien, on était dans une énergie très particulière. Ça a été vraiment intense. Et on a été à la fois bénis par le ciel parce qu'on a pu tourner alors qu'il y avait des incendies, il y avait des alertes de vent. Et nous, on est passé par miracle au travers de tout ça. Mais on a quand même eu beaucoup de difficultés et c'était comme si c'était de la confiture que je prenais. Ces difficultés, elles étaient agréables parce qu'on se disait mais il n'y a rien qui pouvait nous arrêter. Et donc, ça créait vraiment une cohésion qui était profonde et ça m'a fait un excellent souvenir. Et donc, ça, c'est le premier. Et en mars, février-mars, j'ai tourné en Bretagne aussi avec un auteur qui a réalisé son premier film. Ouais. Donc, Gilles Le Gardinier. Exactement. Absolument. Il s'appelle Complètement Cramé. Et il m'a fait confiance et ça a été une véritable rencontre. Et j'ai tourné avec John Malkovich, avec qui je me suis très bien entendu. Et je peux après remonter loin, j'ai eu des choses qui étaient très fortes, des rencontres qui étaient très sympas. J'ai tourné en Afrique du Sud, j'ai tourné au Pérou, pour le cinéma, pour la télé. Mais avec John et sur ce film, avec Gilles Le Gardinier, j'ai eu quelque chose de très... C'était en plus une période personnelle dans ma vie qui était intéressante parce que je passais à autre chose. Et donc, tout cela mêlé a fait que cette année, j'ai vécu des choses très fortes. Et ça sortira le 1er novembre 2023. Exactement. Et après le meilleur, quel est votre pire souvenir de carrière? Mon pire souvenir de carrière... Ça, j'aurais dû le préparer. Disons qu'il y a des choses... J'aurais dû le préparer. Pose-moi une autre question et je vais revenir après. Alors, sur le Sentier des Loups, par exemple, on parlait, c'est une histoire de paternité aussi, entre un père et une fille. Est-ce que vous, ça vous donne des envies de paternité? Oui, moi, j'ai des envies de famille. C'est vrai? Oui, bien sûr.
Et alors, et ça va se concrétiser là, demain, après prochain demain. Mois, semaine. Bah, il va falloir que je rencontre quelqu'un. Ah, bah, attendez, il suffit de me demander ça. Vous êtes célibataire, on peut passer un appel. Ah, bah, attendez, nous, on a un carnet d'adresses assez bien, c'est étoffé. Bah, tant mieux, vous avez de la chance. Mais non, je ne suis pas... Je ne suis pas célibataire, enfin, je ne dis plus rien parce que sinon, j'ai dit trop de bêtises. C'est compliqué en ce moment. Non, même pas. Sarah, elle pense avoir beaucoup trop. Mais je préfère rien dire parce que j'ai dit trop de bêtises par le passé. Mais en tous les cas, oui, je trouve qu'avoir une famille, oui, je trouve que c'est quelque chose. Si on peut le faire, ça vaut le coup quand même, je pense. Alors, et le pire, toujours pas. Le pire. Revient. Mais ouais, le pire. Non, mais si ça ne vient pas tout de suite, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas si marquant dans votre carrière. C'est vrai que vous avez le droit de ne pas avoir de si mauvais souvenirs que ça. Après, sans être un optimiste, en même temps, si, il y a souvent, à chaque fois que j'ai eu des salades, des complications, finalement, ça s'est plutôt mieux passé après. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, voilà, je prends les choses avec philosophie, même si ça paraît un peu con de dire ça, mais c'est vrai. Alors, je disais tout à l'heure en introduction, vous pratiquez les arts martiaux, vous êtes ceinture noire de karaté. Quel est le coup le plus douloureux que vous avez reçu au cours de votre passé sportif? J'ai eu le tympan percé. Aïe. Avec un coup de poing. C'était pas si douloureux que ça sur le moment. Sinon, je me suis cassé le pied. Qu'est-ce que je me suis cassé Ah oui, vous avez eu quand même quelques bobos. Mais j'ai pas... En fait, sur le moment, comme vous le savez, puisque vous êtes pratiquant aussi. Absolument, exactement. Et compétiteur de surcroît, en tout cas, vous l'avez été. Exactement. Et donc, sur le moment, on sent la douleur, mais... Mais pas vraiment. C'est à part quand c'est vraiment une côte qui pète. Moi, ça m'est arrivé d'être touché à une côte, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. On sent qu'il y a un problème, mais ça va. C'est plutôt à l'entraînement. Des fois, on prend des trucs, on a un peu mal. Et le lendemain. Mains aussi, des fois, quand on tape. Parce que je pratique aussi un peu de pied-point en loisir, je vous rassure. Vous n'avez pas, de défi. C'est vraiment du loisir. Comme ils font du foot le dimanche, moi, c'est ça. Je pratique le jiu-jitsu brésilien aussi un petit peu, parce que c'est vraiment sympa. Et des fois, on se fait mal. Quand on tape sur des choses, après, le lendemain, on a mal. Là, on voit vraiment que boxeur, c'est quelque chose. C'est pas... Tout le monde ne peut pas le faire. Absolument. Pas moi, en tout cas. Et pas grand monde peut aussi faire tous les exploits que vous faites dans votre téléfilm dont on vient de parler. Merci beaucoup, Philippe Basse, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous jouez dans Le Sentier des Loups. C'est la suite du Saut du Diable. C'est ce lundi, en première partie de soirée, sur TF1. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci, Sarah, également, pour les news médias et cette interview. Et nous, on se retrouve demain avec un humoriste qui officie sur RTL, qui a présenté Le Journal du Nord. Je sais que vous connaissez cette émission sur Canal+. Oui, je connais. À l'époque, c'était présenté par Vandel quand je regardais. Eh bien, c'est l'époque dont je parle a été présentée par Sébastien Thoen. Il sort un livre sur son éviction de Canal+. Il viendra nous en parler demain sur ce plateau. En attendant, on vous souhaite une excellente fin de journée et à demain pour un nouveau Buzz TV.